tout ce que j'ai lu dans les transports. J'ai fait un aller-retour rapidos à Nancy pour la journée, et dans le métro, j'ai repris ma lecture de One Last Stop de Casey McKinston, que j'avais commencé la veille et que j'aimais plutôt bien. On est sur une histoire de love qui se passe dans les transports en commun avec un peu de magie. Je l'ai commencé sur ma liseuse et j'ai continué en livre audio, en regardant le petit paysage et un petit chat trop mignon qui était dans mon wagon. Après, je suis arrivée à Nancy. J'y suis allée pour les régionales de la librairie. J'ai pu participer à une discussion. Ça s'est très bien passé, j'étais très content. Et sur le retour, j'ai commencé Grown de Tiffany D. Jackson, que j'avais envie de lire depuis très très longtemps. On est sur une sorte de thriller dans le monde de la musique où dès le début, on sait qu'il y a eu un crime. Je m'attendais à ce que ce soit beaucoup autour de ça et finalement, on va beaucoup nous parler d'un phénomène d'emprise avec un mec beaucoup plus âgé qui fait des choses horribles à une meuf. C'était assez traumatisant à lire. J'ai une tête de personne qui n'est pas en train de passer forcément un très bon moment. Une fois sorti du train, j'ai pas réussi à lâcher le livre. J'ai continué de le lire en marchant, même si c'est pas très bien, j'aurais pu me prendre des poteaux. C'est déjà arrivé. Donc j'ai un peu du mal à savoir exactement ce que j'en pense, mais en tout cas, je l'ai lu d'une traite.